Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 13 août 1956, 13 août 2018, voilà 62 ans que la Tunisie a promulgué le code du statut personnel. Une journée qui marque également la fête de la femme, mais qui s'inscrit dans un contexte social tendu. Accord entre le gouvernement et le Front de Libération Oromo en Éthiopie, un consensus qui intervient en réponse au cessez-le-feu déclaré mi-juillet par les insurgés sécessionnistes qui menaient une lutte armée dans le pays depuis les années 1970. Et au Tchad, le milieu rural attire de plus en plus les opérateurs économiques locaux qui tentent de diversifier leurs investissements dans la transformation des produits agricoles et de l'élevage. La Tunisie célèbre ce lundi la journée nationale de la femme. Le 13 août 1956, le pays du jasmin se dotait du code du statut personnel. Une journée de célébration particulière en ces temps de tension autour du rapport sur les questions sociétales récemment rendu par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, et plus particulièrement sur l'égalité devant l'héritage. Égalité devant l'héritage à propos de laquelle le président Béji Caïdé Sepsi s'est exprimé. Nous l'écoutons. L'égalité de l'héritage est l'un des points les plus marquants du rapport élaboré par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Cela dit, je n'ai pas un pouvoir décisionnel. Ce point sera donc soumis au Parlement sous forme d'un projet de loi et on laissera le choix à l'héritière de renoncer au principe de l'égalité si elle a un référentiel religieux. Notre volonté étant de rassembler le peuple et non de le diviser. Si le Mali est toujours dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle qui s'est déroulé ce dimanche, le taux de participation au scrutin est annoncé à la hausse. En effet, selon les informations délivrées par les autorités, les plus forts taux de participation ont été relevés dans le nord, avec entre autres 89% de participation dans la région de Kidal. Des chiffres qui contrastent néanmoins avec ceux rapportés par les 2048 agents répartis sur l'ensemble du territoire du POSIM, pool d'observation citoyen du Mali, qui quant à lui annonce 22,38% dans l'ensemble du pays. Dans l'actualité également, le gouvernement éthiopien et le Front de Libération Oromo ont fait la paix. Un accord a été signé en ce sens le 7 août à Asmara, la capitale. Récemment retiré de la liste des organisations terroristes par le premier ministre Abiy Ahmed, l'OLF peut désormais mener des activités politiques dans le pays. Les détails avec Nathalie Mouffe. L'accord de paix conclu le 7 août entre le président de la région d'Oromia, Lema Megersa, et le président du Front de libération de l'Oromo, Daoud Ibsa, prévoit la fin des hostilités. Le parti qui lutte pour la libération de la région de l'Oromia retrouve dans le même temps sa légitimité. Cette réconciliation favorisée par l'Érythrée consolide les efforts de paix dans la région de la Corne de l'Afrique. Si Badme n'est plus une pomme de discorde entre le gouvernement éthiopien et érythréen, l'Érythrée devient donc de ce fait un acteur important dans la pacification du climat sociopolitique en Éthiopie. Ce retour à la paix s'inscrit dans la démarche entamée par le premier ministre Abiy Ahmed pour l'amélioration des relations diplomatiques et la sécurité en Éthiopie. De son côté, l'Érythrée s'est engagée à faciliter le retour des groupes rebelles éthiopiens basés sur son territoire. Dans ce contexte, il serait surprenant que le gouvernement éthiopien n'ait pas pris les mesures nécessaires visant l'accueil de ces ex-rebelles. En juillet 2018, le Front de libération de l'Oromo a déclaré un cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Désormais, ce parti peut espérer participer à la prise de décision dans le pays. C'était déjà le cas dans le gouvernement de transition mis en place en 1991 par des rebelles de la coalition EPRDF. Le milieu rural, un secteur fortement attractif au Tchad. 42 milliards de francs CFA y ont en effet été investis depuis 2016 par des investisseurs locaux, notamment pour la transformation de produits issus de l'agriculture et de l'élevage. Reste encore au gouvernement de réformer le cadre législatif autour de ce secteur pour le rendre pérenne. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Aditatou Badawi. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé, au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise
qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise, et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agro-pastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. La question foncière dans le monde rural en Côte d'Ivoire, toujours un enjeu vital pour la paix. Malgré l'adoption d'une loi pour sécuriser les terres rurales, 96% d'entre elles ne bénéficient pas encore de certificats fonciers. Qu'il s'agisse des coûts ou du temps imposé par les formalités, pour les paysans, les difficultés sont nombreuses, préférant se référer aux historiques droits coutumiers. Reportage d'Olivia Diakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 20 ans après l'adoption de la loi de 1998 sur le foncier rural, l'immatriculation de la plupart des terres n'est pas encore faite dans plusieurs régions. Par exemple, Koumoudji, localité située à près de 50 km de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, se retrouve dans ce cas. 90% des paysans n'ont pas encore immatriculé leurs terres, même s'ils détiennent des droits coutumiers. Il faut dire que la terre n'est pas véritablement sécurisée parce que on n'a aucun document qui prouve que tel terrain appartient à telle personne ou à telle famille. Voilà, donc c'est ça qui est le problème, le véritable problème entre nous aussi. Ça crée des problèmes entre des familles, entre des personnes et entre des communautés. La loi de 1998 sur le foncier rural a même été modifiée en 2013 pour donner encore un délai de 10 ans aux populations pour régulariser leurs terres. Et pour changer la situation d'ici à 2023, les autorités, les cadres et les experts sensibilisent davantage en promouvant les bienfaits de la sécurisation des terres. Quand votre terre est sécurisée, la terre devient inattaquable. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut s'y opposer. Donc la question de l'inattaquabilité de cette terre. Quand la terre est sécurisée, elle peut être hypothécable. Donc la question de mettre en gage cette terre auprès des banques pour l'octroi des crédits. Selon les paysans, la procédure d'immatriculation des terres peut durer au moins un an et le coût moyen s'élève à 100 000 francs CFA. Et dans le reste de l'actualité, à Mogadiscio, la capitale somalienne, des sapeurs-pompiers bénévoles viennent en aide à la population. Mobilisables 24 heures sur 24, les 85 membres du service incendie répondent tant bien que mal aux appels qu'ils reçoivent, malgré les nombreux défis auxquels ils font face. Découverte de ces héros du quotidien avec Cheikh Omar Bandaogo. Derrière cette combinaison, que de la volonté et du courage. Aucune contrepartie, à l'exception de l'apport logistique et matériel des autorités de Mogadiscio. Ces hommes sont en effet des volontaires qui ont décidé de prêter main forte à l'unité de secours et de lutte contre l'incendie dans la capitale somalienne. J'ai décidé de participer à la protection de plus de 4 millions de personnes vivant dans cette ville et il est de ma responsabilité de lutter contre les énormes incendies qui se produisent sur les marchés et ailleurs. Ces volontaires se rendent disponibles jour et nuit. Ils font des exercices de façon régulière, mais les missions de sauvetage peuvent être dangereuses en Somalie, en particulier lorsqu'elles répondent à des cas d'explosion, une difficulté parmi d'autres.
Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés sont dus au fait que nous n'avons pas suffisamment d'équipements de protection pour nos pompiers, comme des vêtements, des gants, des pantalons et des casques dont ils ont besoin lors d'un incendie. L'autre défi est que nos bénévoles ne reçoivent pas de formation régulière pour améliorer leurs compétences. Certains de nos volontaires s'évanouissent en luttant contre les incendies, faute de vêtements de protection appropriés. Le service incendie prévoit étendre ses actions à d'autres villes du pays en mettant en place des unités similaires afin de fournir des services d'intervention d'urgence indispensables. À ce jour, 85 bénévoles ont rejoint les rangs des sapeurs-pompiers. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.